Donc maintenant, on est en train de redescendre. On va aller boire un petit coup, parce qu'on a vu qu'il y avait une fontaine juste à côté de la chapelle. Et puis on va continuer. Donc on va aller jusqu'au dolmen. J'ai regardé un petit peu. C'est à peu près à 39 minutes, voilà, d'ici. Donc ça nous fait un petit rando sympathique. Il y aura aussi le lac à aller voir qu'on avait vu avec le panneau. Donc on va faire ça. C'est écrit en plus eau potable. Donc on va pouvoir se rafraîchir, gros toutou lui aussi. Tiens, tu lui ouvres l'eau? On va boire un petit coup. Ah oui, hein. Il est soif ce gros. T'as beau pas avec ton nez, hein, sinon tu vas éternuer. Ah, ben ça fait du bien. Limite, on aurait pu remplir les bidons, mais j'ai déjà rempli avant de partir, donc c'est bon. Donc là, on vient de retourner au camping-car parce qu'on va prendre quand même de l'eau pour aller marcher, parce qu'il y a quand même une demi-heure, donc en, 1 heure en tout. Et regardez le panneau quand même, ça fait vraiment plaisir de voir ça. Camping autorisé, voilà, là où on s'est posé. Donc c'est quand même rare, hein. D'habitude c'est interdiction au camping-car, tatati tatata. Et là, bah, c'est autorisé, ça fait plaisir. Donc merci à la commune, hein, franchement, ça fait vraiment très plaisir. Bon bah finalement, on s'est posé un petit peu tranquillou sur une serviette là, en mode on fait la sieste. Gros toutou lui aussi là-bas, posé tranquillou. Bon, on va repartir un petit peu après, on se repose un petit peu. Hein? On n'est pas bien là ici? Ah oui, ça, Hein? c'est bien, on est bien. J'étais en train de rire tout seul parce que regardez, j'ai l'empreinte, la trace de bronzage en fait. Comme je suis toujours pieds nus, là je suis tout blanc. Là je suis bronzé. Fort de rire. Va falloir rattraper ça, hein. Allez, bah les amis, on y retourne. On va aller donc découvrir ce dolmen. Bon, c'est une demi-heure, donc ça va encore. Petite rando sympathique. Et je pense qu'on va changer de spot finalement parce que c'est quand même assez bruyant. J'ai vu qu'il y avait un spot un peu en nature, donc je pense qu'après la rando, on va décoller d'ici, voilà, parce qu'on a visité un peu le village. C'est tout ça qu'on voulait voir. Et bon, bah, en bonus, on va voir le dolmen. Et puis après, ouais, on va se mettre en nature, comme ça demain, on sera tranquillement posé en pleine nature. Sur un spot tranquille, voilà, sans bruit de passage de voiture. On est parti vraiment sur des petits chemins comme ça, regardez, à travers les champs, et puis la forêt au fond là-bas. C'est très agréable. Vraiment pas de voiture, pas de passage. D'ici, on voit encore le village tout au fond là-bas. On a quand même déjà pas mal marché, donc on devrait plus tarder à arriver normalement. Voilà. Franchement, c'est très agréable. C'est vrai qu'on a quand même pris des pulls au cas où, parce que bon, je pensais qu'il y avait un peu d'ombre, mais au final, on est en plein soleil, donc il fait chaud, je peux vous dire. Franchement, c'est limite le mois de juin, là, on dirait. Par contre, il y a un truc qui est assez drôle parce que depuis tout à l'heure, sur les panneaux, c'est marqué le chiffre 2. Donc on se dit à chaque fois, il y a 2 km. On a l'impression qu'on n'avance pas. Alors je sais pas si c'est vraiment les kilomètres. En tout cas, là, on est vraiment sous les arbres. Hein. C'est super agréable. Il fait un petit peu moins chaud du coup. On va se mettre de la chaleur maintenant. Enfin, c'est super, franchement. Petit sentier comme ça, en pleine nature. J'adore aussi. Aussi bien les villages de la vieille pierre, aussi bien les sous-bois comme ça, j'adore.
Ah, là, on va traverser une flaque. Ça va qu'il y a des bouts de bois juste à côté. De toute façon, de pas tomber. Hop là. Fais gaffe, t'as ton lacet qui est défait en plus. Allez, saute. Ah. Il fait le corps, il voit pas le problème. Et moi non plus d'ailleurs. Ouh, elle est froide. Bon, il reste combien de kilomètres? Ah non, on n'y arrivera jamais. C'est vraiment super agréable, on est sous les sapins. C'est vraiment majestueux. Et ça y est, après environ 2 km, on y est enfin, on aperçoit le dolmen. Un gros tas de cailloux, tout ça pour ça. Alors c'est quand même joli, je vais me rapprocher. Je vois qu'il y a un panneau aussi qui doit expliquer un petit peu. Ils ont même mis une table à manger là-bas, avec une poubelle, c'est bien. On peut faire un pique-nique ici. Alors qu'est-ce que ça nous dit là-dedans? La construction du dolmen. Ah, ça nous explique un petit peu, ouais. Il y a les mégalithes dans la Creuse. Ah oui, d'accord. Il y a tout un tas de mégalithes ouais. qui sont représentés ici sur la carte. Donc là, il y a tout ce qui est dolmen, il y a aussi des menhirs. Il y a quand même pas mal. Hein. Je viens de voir que c'est marqué la pierre de la fée à Draguignan. Bah, c'est pas très loin de là où on habitait. C'est vrai que j'étais déjà allé, c'est marrant de le voir ici. Là, on apprend que les roches, c'est du granit. Et son poids est estimé à 12 tonnes. C'est quand même assez énorme. Bon, c'est dommage qu'il y ait un imbécile qui a tout rayé là, mais ils nous disent que ça daterait de 4000 ans à peu près. Et il y a une tradition ici, c'est qu'autrefois les jeunes filles elles grimpaient sur la pierre et elles sautaient à terre en fait pour être sûres de trouver un mari dans l'année. En tout cas, elle est vraiment magnifique, hein. C'est assez impressionnant. Regardez cette grosse pierre là qui est reposée sur plusieurs. On dirait que c'est en équilibre. Ils se donnaient du mal à l'époque, hein. Vous imaginez pour soulever la pierre comme ça? Regardez, il nous explique un petit peu comment il faisait pour les déplacer, donc à l'aide de gros trous en bois comme ça. Il soulevait, il faisait bascule. Il faisait toute une construction en bois tout autour là, pour pouvoir le mettre dessus. Ouais. Lui, il est un petit peu vénère par contre, vu ce qu'il est en train de leur dire. Ils ont fait une vraie petite BD ici. À côté, il y a des petites constructions comme ça, avec du bois. Des petites tentes. C'est vrai qu'on aurait presque pu venir dormir ici. On avait eu une tente avec nous. C'est super agréable. Bon, la nuit va être un peu fraîche, je pense. Et là, on est vraiment en pleine nature. Qu'est-ce que c'est calme, j'adore. Il n'y a pas de... Voilà, on n'est pas gêné par les bruits des voitures, les bruits de la civilisation, c'est vraiment que de la nature. Vous n'avez pas peur d'être là-dessous, là? Non, non. Si jamais ça tombe. C'est impressionnant. Hein. Regarde, ça tient vraiment en équilibre. Il ne faudrait pas que les pierres se fendent. Sinon, adieu les cocos. On me dira, c'est un tombeau, hein, à la base. Ah, quand même pas. Allez, vous venez, on y va. Hop, attention à la tête. Ah, mais écoutez, je suis bien content d'être venu jusqu'ici, en tout cas. Ça valait le coup. Bon, bah allez, maintenant, on va retourner au camping-car, hein, et puis changer de spot. Voilà, franchement, c'était bien agréable de se balader ici. Je pense que peut-être qu'on reviendra un jour. C'est vraiment apaisant, mais bah, c'est tout ce que j'aime, quoi. Bon, en plus, ce qui est bien, c'est que maintenant, bah, c'est que de la descente. Ouais. Donc voilà, moins fatigant. Quand on descend, on fait... Oui. C'est un peu chiant. C'est vrai. Bon, franchement, je préfère quand même. Là, on est en train de suer. C'est vrai. Là, tranquillou. En tout cas, bah, je suis pas déçu de qu'on se soit arrêté ici pour une fois. Là, à chaque fois que je voyais le panneau, je disais croque et je me disais, il faudrait que j'y aille avec ces deux tours qui sont... bien représenté sur le panneau. Et en plus, on a découvert voilà autre chose, le dolmen. J'avais pas du tout qu'il y avait ça ici. Donc c'est sympa ouais, de découvrir de nouveaux villages comme ça, même si c'est pas des villages exceptionnels. Mais c'est toujours sympathique.
Regardez, ça y est, on est arrivé sur notre spot en pleine nature ce soir. Franchement, on est super bien, on a une vue vraiment à 360. C'est super agréable, il n'y a pas de passage. Là, il y a un petit panneau pour dire que les feux sont interdits. Et en plus de ça, on a une table extérieure. Voilà. Donc ce soir, on va se régaler. On a préparé de quoi faire un couscous, le semoule, les légumes. Tout ça avec une magnifique vue, avec le coucher de soleil là-bas. Avec quelques nuages, ça commence à se couvrir. Demain, normalement, ils ont annoncé nuageux, mais bon, c'est pas très grave. Franchement, on est dans un cadre magnifique, donc je pense qu'on va bien en profiter encore demain. Et puis, on verra si, combien de jours on reste ici, mais je pense qu'on va rester poser un petit moment pour profiter, voilà, tout simplement, du calme. Bon, bah, les amis, j'ai envie de vous dire bon appétit si vous êtes à table. Bon appétit. Bon On va appétit. se régaler avec un bon couscous. Et bonjour les amis. Écoutez, on a super bien dormi cette nuit, c'était hyper calme. Franchement, c'est vraiment un spot de rêve. Hein. Regardez, hop, Grotutu. Là, il me regarde. Qu'est-ce qu'il y a, Grotutu? Tu veux une friandise? C'est parce que j'ai préparé le petit déjeuner. Il est en train de se dire, et moi alors, j'ai rien? Ben oui, tu vas en avoir toi aussi. Hein, si, même si je fume pas tout le temps quand je te donne, je t'en donne des friandises. Bah ouais. Là, j'ai préparé mon petit thé comme ça, là. Franchement, c'est le top. S'est installé tranquillement sur la table encore pour déjeuner. Les enfants sont en train de prendre leur petit déjeuner là-bas. Regardez, ça n'est pas bien. C'est hyper calme. Et aujourd'hui, eh ben, c'est Pâques. Un gros toutou, on va chercher les œufs aujourd'hui. Eh ouais. Donc, on est lundi de Pâques. Donc, on va prendre notre petit déjeuner tranquillou. Voilà. Et puis après, il faut attendre de voir si les cloches elles vont passer, ou le lapin, ou la poule, ou que sais-je. Hein? N'est-ce pas? N'est-ce pas que c'est vrai? Après, un petit peu plus loin, là, j'ai vu qu'il y avait des ruines archéologiques, je crois que ça s'appelle, je sais plus trop. Donc, je ne sais pas si on n'irait pas faire un tour là-bas, histoire de voir si, bah, s'il n'y aurait pas des chocolats qui sont cachés là-bas, peut-être. Donc là, nous sommes un peu plus tard dans la journée. Donc je suis en train de remplir le sac avec les chocolats. Ceci, c'est Christian qui me les a offerts. Voilà, les petits cocos, trop gentils. J'en ai d'autres d'ailleurs. Ils ont été offerts aussi par d'autres abonnés. C'était Eric et le prénom de sa femme, j'ai oublié, c'est Michel, je crois. Michel et Eric. Ils m'ont offert ça. Hop. Trop sympathique. Et aussi des petites sucreries comme ça, des petites sucettes. Et puis moi l'autre jour j'ai acheté aussi des petits burgers comme ça. J'ai trouvé ça à Action je crois. Avec des petits œufs, voilà, il y a un petit peu de tout. Hein. Ça en fait un bon petit paquet, j'ai laissé dans le sac isotherme là. J'ai mis dans le sac à dos. Et puis comme ça, bon, on va aller aux ruines. Et je vais aller les planquer. Les enfants sont dehors, ils savent pas encore ce qu'ils vont avoir. Donc on a à peu près 20 minutes de marche. Voilà, puis je vais cacher ça, et puis ce sera l'heure de la grande recherche au trésor, la chasse aux œufs. Et pour gros toutou, regardez, j'ai pris quelques petites friandises aussi, comme ça j'ai voulu cacher ça. Je crois qu'il aura tendu le paquet. Bah ouais, gros toutou, hein? Pourquoi il y aurait que les humains qui fêteraient Pâques? Bon, on y va les enfants? Ouais. Il y a à peu près 20 minutes de marche. Allez, et ben c'est parti, en route, à tout à l'heure Yves. Franchement, on est vraiment bien ici. On a même entendu les moutons tout à l'heure. Je crois qu'il va y avoir un troupeau un peu plus loin. Peut-être qu'on ira les voir, on verra. Je ne sais pas s'ils sont restés ou s'ils sont partis. Et comme ça va nous permettre de découvrir un petit peu ces ruines, voir un petit peu ce que c'est. Donc là, on vient de ce chemin. On a traversé toute une forêt. C'était super apaisant. Et donc là, il faut qu'on suive ce panneau, Villa Gallo-Romaine. C'est un monument historique. Donc là, c'est pas très très loin. Hein. Ça se fait bien. Par contre, là, on a eu une voiture passer. Donc on va faire attention avec Gros Toutou. Il est où? Allez, tu viens, Gros? Parce qu'il y a quand même un petit peu de passage, mais bon, c'est très peu, hein. C'est très peu passant, c'est des petites routes. Bon, bah ça y est, on vient d'arriver. On peut apercevoir entre les branches là-bas, il y a déjà quelques ruines. Je vois qu'il y a un panneau, il y a même un petit parking là. Donc ça nous dit qu'on est en plein cœur du parc naturel régional de Mille Vaches, en Limousin. Bon, ça nous explique qu'il y a pas mal de petits sentiers. Il y a des sentiers quand même de 4 heures de marche, 12 km, 5 km aussi, avec bah, le petit plan. Bon, désolé pour le bruit qu'il y a derrière, il y a quelqu'un qui est en train de couper des arbres. C'est vrai que sur la route, j'ai vu toute une forêt complètement coupée, ça me faisait vraiment mal au cœur.
D'ailleurs, je crois que là-bas, on peut en voir encore. Là, il y a plein de bois qui sont coupés. Alors, des fois, on se plaint pour les incendies, qu'il y ait forêts qui disparaissent. Mais ce que j'ai pu voir là, c'était pas un incendie. C'était des gens qui coupaient le bois, quoi. Et franchement, c'était toute une forêt aussi qui était dévastée. Ça m'a fait vraiment mal au cœur. Donc là, ils ont essayé de nous mettre un petit peu un plan pour qu'on reconnaisse un petit peu. Il y aurait un lavoir, un atelier, habitat secondaire, voilà. Donc on va aller voir, hein. Il reste plus grand-chose, c'est juste l'encadrement des murs, quoi, qui reste. C'est vraiment des ruines. Une petite table pour pique-niquer avec une poubelle. Super, franchement, c'est impeccable. Alors, qu'est-ce qu'il y a ici? Ici, on a la reconstitution du. Ah oui! On dirait pas! La Ah vie gallo-romaine. Quand on voit ouais, ça, c'est elle est tout un petit sale! village qu'il y avait ici. Hein. Villa gallo-romaine. Voilà. Donc, ils nous ont mis le plan. Donc, comme je vous disais, il ne reste plus grand-chose. Les enfants, ils ont trouvé l'entrée qui se trouvait ici et qu'on peut apercevoir là-bas. Il y a des bugs, j'ai des pas vu. Ah, ça, t'as trouvé. Comment ça s'appelle déjà? Alors, attends, ça va être écrit dessus. J'ai oublié le nom. Et ça y est, je me souviens, j'avais oublié, c'est du geocaching en fait. Donc normalement, je pense que Un badge. tu peux prendre un badge et faut laisser un petit mot ou normalement laisser un objet à la place. Attends, je vais regarder. Qu'est-ce qui a été écrit? Là, il y a des gens qui remercient pour ces super paysages, voilà, pour cette balade, pour ce jeu. Voilà, c'est des petits messages sympathiques comme ça. Jolie promenade, quelques champignons. Là, ça se replie. Quelques champignons trouvés en chemin. Voilà, ils ont signé. Donc peut-être qu'on va laisser un petit mot nous aussi. Ouais. Et ils ont laissé un petit crayon. Abonnez-vous. Donc on va faire notre petite pub. Abonnez-vous à Idriss le Nomade. Donc voilà, le stylo est un petit peu défaillant, donc j'ai un peu du mal à écrire. Mais donc j'ai mis la date, voilà. En marquant Idriss le Nomade et ses enfants sont passés par là. Abonnez-vous. Donc on a récupéré chacun un badge, c'est Terra Aventure, alors je sais pas si c'est, je crois que c'est un parc qui est dans le coin. J'avais vu ça, Terra Aventure, je sais pas trop. Mais voilà, on a chacun notre badge. Donc on Nickel. remet tout dedans, et puis on va remettre là où tu l'as trouvé. Donc c'était caché dans les rochers là-bas, enfin dans les ruines. Voilà, donc on vous donne l'indice, c'était ici. C'était bien caché, tu l'as bien vu. Hein. Pourtant on n'était pas venu pour ça à la base. Ah, il y a une application qui existe, Geocaching, comme ça on peut. Il y a plein de trésors comme ça cachés un peu de partout. Ouais, vous savez pas? Non, je Ouais, ça existe et en fait ça permet de faire des randos comme ça et trouver des petits trésors. Donc c'est sympa parce qu'il y a quand même pas mal de plans. Regardez là, ils nous ont représenté. Donc ici il y avait un puits, il y avait l'abreuvoir, voilà, il y avait un four aussi. Donc tout était ici, le four, le puits, l'abreuvoir. C'est quand même sympathique, ça nous dit un petit peu, ça nous permet de nous rendre compte un petit peu, c'est vrai qu'on voit un tas de pierres comme ça, c'est un petit peu difficile de s'imaginer, mais grâce au plan, on voit à peu près comment c'était. Là ici, c'était une petite maison apparemment, regardez, ils nous ont mis un petit plan de la reconstitution, comment ça devait être. C'était vraiment très modeste. Donc là aussi, il y a plusieurs bâtiments avec la cuisine. Qu'est-ce que tu voulais me montrer? Là, il reste encore. Bon, il n'y a pas encore la cuisine. Il n'y a plus la cuisine, bah non. C'est trop vieux. Bah oui. Mais là, il y a encore les plaques. Ah ouais, mais il y a quand même le sol. Ah, on voit encore le sol d'origine, enfin d'époque, quoi. C'est fou, hein, quand même, de se dire qu'il y avait des Romains ici. Ouais. Hein? Peut-être qu'Obélix était passé par là aussi, avec Astérix. C'est pas, hein. Ah bah, c'est bien sympa. Donc bah écoutez, hein, on va cacher les chocolats maintenant. Hein, vous allez vous cacher, fermer les yeux. Et puis je vais cacher tout ça. Et puis je vais vous donner peut-être des indices, on va voir. Voilà, bah, les amis, j'ai caché un petit peu de partout tous les chocolats. Regardez, j'en ai mis au pied des piquets. Hein, juste là. J'ai senti quelques gouttes. Par contre, j'espère qu'il ne va pas pleuvoir. J'en ai planqué aussi dans les arbres. Là-haut. Voilà. Donc là, j'ai tout mis. J'ai oublié de prendre un sac, je sais pas qu'est-ce qu'ils vont utiliser pour peut-être leur donner le grand sac et puis ça pour qu'ils ramassent. Donc voilà, allez, je vais aller vers eux, je vais leur donner les sacs et puis ils vont chercher. Bon bah voilà, ça y est, c'est prêt. Donc tiens, un petit sac, tu prends le grand du coup, c'est vrai qu'on n'a pas pensé à prendre des sacs. Ouais. Voilà, donc bah, je vous donne quelques indices quand même. Bon, déjà, c'est sur le site, hein. Ouais,
C'est pas. Voilà. Ça peut être dans les ruines, ça peut être dans la nature. Ok. Et puis en général, c'est par paire. Donc, en général, si vous en trouvez un endroit, il y en a un deuxième à côté, quoi. Voilà. Donc, fouillez bien. Alors là, par contre, j'ai mis un petit peu haut, là, dans l'arbre. Ils ont un peu du mal à attraper, du coup, avec moi, je suis grand. Ah, ça, ils ont réussi. Ah, j'ai oublié le gros toutou. Le gros toutou, il court derrière. Je vais lui cacher aussi des trucs, bon, qui est distrait. Je vais laisser dans le sac. Je vais en mettre un petit peu ici. Et un petit peu là. Il a rien vu. Il est là-bas. Quand il pleut de plus en plus, je pense qu'il va pas falloir traîner. Je sais pas s'il a entendu. Non, il m'a pas vu. Tu triches pas, Falcor, tu les aides pas à trouver, hein. J'ai l'impression qu'il vous montre un petit peu où c'est que j'ai mis les chocolats. Bon, par contre, j'espère que je vais pas oublier, parce que des fois je cache des trucs, après je sais plus moi-même où c'est que j'ai mis les chocolats. Bon, je crois que je vais essayer de m'en souvenir quand même. Je vérifierai que tout est là. Ah bah, il y en a de partout, hein, faut fouiller. Attends, il y a un endroit qui tue dans la rue. Ah, faites voir un peu. Il y a ça, c'est à toi. Ah oui, d'accord. On va aller voir si vous avez rien oublié, mais je pense que c'est pas mal normalement. Voilà. Bon, maintenant on va aller voir si. C'est trop, on va contrôler. Puis dans 2 ans, on va y retourner, il n'aura encore. D'ici 2 ans, je pense que peut-être que quelqu'un sera passé avant pour les récupérer. Mais je crois que vous avez fait le tour normalement. Est-ce que Falcor a trouvé les siens? Je crois qu'il est parti un petit peu dans la forêt là-bas. Falcor! Toi aussi, t'as des choses à trouver. Allez, viens! Allez! Ce qui est super, c'est qu'on est vraiment seul sur le site. Franchement, c'est hyper calme. Bon, à part le. Je vous ai dit le bruit de personnes qui sont en train de couper les arbres plus loin là-bas. Mais c'est super sinon. Regarde, gros toutou! Est-ce que tu sens? Ah, il a senti. Il est en train de sentir. Tu sens quelque chose là ou pas? Regarde, Falcor! Regarde, c'est quoi là? Bon, je t'aide un petit peu, mais je sais pas, il sent. J'ai l'impression qu'il sent quelque chose. Hum? Regarde, tu sens ou pas? Qu'est-ce que c'est? Tu cherches? Tu cherches? Regarde! T'as trouvé? Oh oui! T'as trouvé, mon gros! Et ouais! Petit père. C'est cool, Pâques, hein? Bah ouais. Je t'ai dit qu'on avait oublié un truc. Ah, vous avez trouvé? Ah oui, moi aussi, j'avais l'hamburger. Tu l'avais eu? Vous avez trouvé les 2 hamburgers, ouais, aussi, les bonbons. Non, il dit ça qu'il manquait un truc. Ah oui, parce que c'est par paire, normalement. Ouais. On a trouvé. Attends. Parce que tu sais, t'avais mis. T'en as trouvé des croix avec plein d'œufs comme ça? Oui, des croix là-bas. T'en as trouvé un seul? Oui, un seul croix. Moi, j'ai trouvé 2 croix. Hop, il a trouvé le deuxième, gros tutu. Ça y est. Il a trouvé ses petits œufs, lui aussi. Il se met bien, lui aussi. Bah écoutez, allez, venez, on va contrôler maintenant. Et puis j'ai droit à un petit peu de chocolat parce que moi j'en ai oui, pas du coup. Ah, t'as mal à la dent. Ouais, c'est vrai. Je devrais peut-être pas. Mais bon, vous me connaissez, hein. Je suis gourmand. On va aller, on va s'installer sur la table là-bas. J'avais pas vu, mais regardez, cet arbre est vraiment magnifique. Le tronc est vraiment très spécial. C'est assez magique. Bah, c'est une belle récolte, j'ai envie de dire. Ouais. Donc ça, c'est Christian qui vous a offert ça, les petits lapins. Et puis ça, donc déjà, c'est Eric et Michel, très gentils aussi, avec les petites, ouais, avec les petits bonbons comme ça. Tiens, on dirait Bob l'éponge. Ouais. Ça me pense. Et, et puis, ouais, et, ouais, non, c'est une un poulpe pipote. Ouais. C'est un poulpe. Ah. Et puis, bah, le reste, je crois que c'est moi. Ouais, les œufs, tout ça, c'est moi. Oh, voilà. Cool, bah, merci. Bon, parce que j'ai droit à un petit œuf quand même. Oui. Merci. Fais-toi plaisir. Ce qui est marrant, c'est que la dernière fois, bah, c'était à Fréjus qu'on avait fêté Pâques ensemble. Et c'était dans des ruines aussi. Ouais. C'était dans le parc aussi. Bah, c'était des ruines gallo-romaines aussi, il me semble. À croire qu'à chaque fois que c'est Pâques, on se retrouve dans des ruines gallo-romaines. C'est assez rigolo. Mes petits cocos, ils sont partis vérifier quand même si on n'avait pas oublié quelque chose. Mais bon, je pense que normalement, c'est bon. Et franchement, bah, ça y est, le moteur s'est arrêté. Donc c'est quand même plus apaisant comme ça. On entend juste les petits oiseaux. Voilà, on est bien, bien posé tranquillement.
Un gros toutou, c'est vrai. Hein? Pas le corps. Ah, c'est vrai. Qu'est-ce que tu es beau, toi? Ouais. Oui. Oh là là, qu'est-ce que tu es beau, ce gros toutou, là. Oh là 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 là. Petit père. Ouais. Bon, bah, ils ont bien fait d'aller voir parce que, regardez. J'en avais oublié un. T'en as trouvé un. Il est resté un. Bon, bah, merci. Bon, bah, allez, on rentre, hein. Du coup. Retour au camping-car. On va pouvoir rester tranquillou. Je pense qu'on va rester sur ce spot. Hein. Franchement, on est vraiment bien. Même ici, finalement, il n'y a pas eu de passage de voiture. C'est très calme. Hein. Donc, 10 sur 10. Hein. Je suis bien content d'être ici. Avec la Creuse, c'est quand même magnifique. Hein. Et très calme. Et bon, comme ça faisait un petit moment que je n'avais pas fait, et ben voilà, c'est reparti pour les gaufres. J'ai préparé tout à l'heure la pâte, hop. Et on va se régaler, les amis. Oui. Voilà. Ça, plus les œufs au chocolat. Je peux vous dire que ça va être un sacré goûter tout à l'heure. On aura déjà pris le goûter. Mais bon, on est des gourmands, hein, vous nous connaissez maintenant. Hop là. En plus, je sais plus si je vous avais montré, mais j'avais acheté ça, du coup. C'est marqué, la cuisine, c'est de l'art. C'est super pratique pour graisser, du coup. On peut bien graisser partout. Ça accroche plus du tout, hein. C'était vraiment mon sucre que je mettais trop dans les gaufres. Maintenant, je mets que 2 sachets de vanille, de sucre vanille. Et ça suffit largement. Hein. Et voilà les gaufres. On va manger avec les petits œufs. J'en ai fait une toute petite, là. Pour gros toutou. Tiens, gros toutou. C'est une gaufre? Ouais? Ah oui, hein, j'aime bien les gaufres, Falcon aussi. J'ai pas de raison. Bon, allez. Bonne régalade. Ouais. On est en train de nous faire une petite invention là. Une petite gaufre avec des œufs de chocolat. Là. Des chocolats de Pâques, je veux dire. Là, j'ai juste mis un dedans. Ouh là là, ça fond avec la chaleur. Mmh. Moi aussi. On va se régaler. Bon ça. Tu m'étonnes.